le menaka ezo ka ukada 3 jours na dimakite to ba se me jour e to ko kite pe e ka o ki ya momo solo ye ya nangala ikimas tolega bazo baba ernest new bazo reba ernest new bazo baba rene abiri bazo reba le macron bazo baba sifikate bazo reba selena bazo baba bisma lamu bazo reba pa bonne bazo baba bazo bananga bazo reba abonne pour ma bisma bana mondantie bana dar es salam Bana Kina Tras RDC News Bana Poto Information à source Sans parti pris Bas abonné Moutoua Kimadé Bazo Baba René Adiri Bazo Lenda Bazo Banganga Bazo Baba Le défenseur de la presse Bazo Lenda Tras RDC News Basi Balala Let's Bas Je peux avoir peur N'a compris quoi Baba Mais lorsque la peur elle est constante dans ma vie, mais si je dis qu'on parle à les gens où, mais les gens où, elle est permanente dans ma vie, et combien elle est belle, elle est belle, c'est que cette peur, combat à maman, c'est caché à l'esprit. Mon livre, mon cas, c'est maman. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Peur d'essayer d'avancer. Peur d'accompagner les bonnes. Peur d'essayer. On ne doit pas m'accompagner. Peur de parler. Colomba. Peur d'évangéliser. Combat à côté. Peur d'aller loin. Combat à mon signe. Peur d'affranchir. Combat à m'accompagner. Alléluia. Yes. Tu dois aussi comprendre ce cela. Que derrière certaines manifestations, si même quand on mange, je vais manger ça. Qu'on ne voit pas à l'œil physique comme oh, ça. Oh, toujours moi, la mise pour ce que c'est caché un esprit. Et quand même, le mourir, maman, que c'est mal à cause. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Je cela. J'ouvre une petite parenthèse. Je voudrais parler à une personne. Et ça me tombe encore. Tu veux que je dise une personne quelque chose? Ça me gêne. Le péché que tu n'arrives pas à laisser là. Le jour où on est au cocotique à terre. Tu t'es pas, tu t'es pas, mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Tu dois savoir que ce péché te cache l'esprit. Il va être le jour où on a mon livre, mon cœur qui est mis sur la main. Alléluia. Yes. Je prends la parenthèse. N'attaquez pas. Amen. Amen. Alléluia. Et je ne serai pas long. N'a pas besoin de mon laïc. Je vais bien les développer au cours de la semaine. N'a pas besoin de mon laïc, mon apôtre. Tu dois comprendre ça. Cherchez-le à moi. La peur n'est qu'une émotion. Mais ne fais pas de ça ta vie. Car si consola était comme un bon moment, qu'elle ne soit pas permanente en toi. Et comme un libère, elle est la que ça ne demeure pas en toi. Parce qu'en toi, on doit retrouver la foi et non la paix. Les choses que tu écoutes, les choses que tu entends, c'est ce qui peut faire agrandir ta force et détruire ta foi. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. C'est pourquoi la Bible dit yeah, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le diable sèmera des paroles négatives en train de détruire ta foi et de nourrir la foi. Alléluia. Yes. C'est pourquoi plusieurs peuvent venir à l'église. On lui dit, Dieu fera ceci dans sa vie. Mais avec tout de son entourage, il est en de personnes qui disent, qui parlent des choses négatives. Et ses paroles négatives commencent à influencer sa foi. Et dans sa foi. Et on a dit que nous avons su guérison de mille par l'homme. Si quelqu'un a su guérison de mille, il est sa guérison de mille. Après lui, il a guérison de mille. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes. On lui dit, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. C'est ça, ça, tu vas écraser tes adversaires. Tu vas abîmer les cibles. Tu vas mettre avec ceux qui vont salir pour les gens qui vont couper. Avec eux, on va mourir. Pourquoi? Parce que on a retrouvé la peur en lui. Alléluia. Yes. En toi, on a retrouvé la sémence de la foi. Alléluia. Yes. En toi, on a retrouvé la foi. Mon Dieu a compté ma carte. Et non la peur. Quand si combat est-ce que tu peux m'aider à dire la personne qui a dévoté? Je vais aimer ça, dévoté, dis-lui. En toi, on doit retrouver la foi et non la peur. En
retrouver la foi et non la peur. Et puis c'est la tête de votre monde qu'on et dans vos bagues. C'est pourquoi. Dina. Je vais te dire une chose. Et il faut c'est à quoi Dieu t'a appelé de faire. Oh, ça n'a jamais été pour ça. Le diable Satan va libérer un esprit. L'esprit de la peur. Mon avant la guerre, la musique, la puis oh, il faut ça, la mort, on s'en rend compte. Quand tu n'as pas de copain, on prend ça, la moitié. Et moi, je me suis dit, on m'a dit, il faut mettre un os à la boîte. Peut-être il faut qu'on ne peut déposer, c'est avec l'être quelque part. Mais vu qu'il y a son part, parce qu'on a mené, qui va au Sénat, c'est pas avoir la place, voilà. Pour qu'il n'était pas au Sénat, pour qu'il n'était pas au Sénat, pour qu'il n'était pas au Sénat. Tu vas voir si la personne ne va pas aussi le faire. Comment on peut monter pour ça la répéter? C'est pourquoi plusieurs sont ici. Ils sont des promesses. Ils sont de grandes choses qui devaient accomplir ces choses. Mais vu que la peur envahit leur vie, avec elle aussi, la route de la table, avec Seigneur, elle donne aussi. Est-ce que je vois? D'accord, si. Plusieurs ici, Dieu l'a dit. Mais il est bien, ça va. On se met ainsi pour prêcher et parler. Chanter. Être dans le protocole de l'intercession. Mais vu que la peur, le diable a planté la peur en eux. Ça, t'en as déjà commencé, ça va bon. Six choses, les gens vont dire. Les gens vont parler. C'est pourquoi aujourd'hui tu es encore là. Certaines personnes seront seulement bénies dans l'œuvre de Dieu. Yes. Tu as donné vie, ça y est. Peut-être qu'elle n'est pas connue dans l'eau. Il va terminer ton procès comme ça. Il va terminer dans la temps où il va faire ça. Tu peux m'aider, il y a qui sait rien. Il va me donner un peu de temps pour que vous puissiez faire ça. Amen. Yes. C'est le premier point. Voilà, il tourne à l'ébosso. Deuxième point. Il y a mis mal. Deuxième point pour vaincre ta peur. Pour que l'on va combattre sa carte. Tu dois trouver la parole de Dieu. Et ce que vous allez vous en tu dois trouver dans la parole de Dieu toutes ces situations qui sont liées à tes problèmes. Quand on a dit que vous allez vous en aller, vous allez vous en aller. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit concernant ta situation? N'a dit qu'on a eu le bon ensemble et dit son livre. Amen. Amen. Plusieurs possèdent la Bible. Bah, tout le monde qui va dans la Bible. Plusieurs ont la Bible en main. Bah, dans la Bible, dans la boue. Mais la Bible dépend d'eux. Quand c'est qui les a quatre invités, on a voté quatre, ça va pas vivre les affaires. Quelqu'un me comprend? Comment ça se solide? Quelqu'un me comprend? Comment ça se solide? Utilise la parole de Dieu. Celle-là, il va dans sa bête. Utilise ça. Celle-là, non. Devant cette situation qui te fait peur. Il va chaud, il dit qu'en moi, je fais ça comment? Devant cette circonstance, cette situation qui te fait trembler. Il va chaud, il dit qu'en moi, je n'ai pas. Toi, commence à utiliser la parole de Dieu à prier à cette situation. Lorsqu'il y a une maladie qui vient, qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Et comment il dit? Lorsqu'on vient te menacer, la parole de Dieu dit quoi? Lorsque le diable te dit tu mourras, qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Oh, écoute-moi, je vais te dire. Je vais réduire une personne. Toi, cette année, on a dit que tu mourras. On a dit que la maladie qui était attachée à toi n'a pas de solution. Je vais te dire une chose. Moi, la parole de Dieu me dit que la foi est une ferme assurance. Les choses sont à la moche. Je vais vous dire à une personne. Si elle m'a dit dans sa parole, il a dit quoi? Oh, sans la foi, il est impossible de guérir la maladie. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu. Moi, que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Non. Goliath a zoomé la vie d'expérience là. Mais j'aime une chose. David aussi a dit. Quand j'étais dans la brousse avec mon Dieu, j'ai menacé les tous. J'ai tué les lions. Mais il y a encore une chose. Toi tu viens avec le bâton. Les chamelots. Et moi je viens avec un homme éternel des armées. Mur. Il va au-delà du mur. À ce moment-là, c'est ma mire.
C'est pourquoi David n'avait pas vu Goliath. Mais il avait vu la royauté qui est derrière Goliath. En voyant Goliath, je vois la royauté. Alléluia. Yes. C'est que devant toi te fait peur. Mais l'œil de la foi démontre ce que l'œil physique ne te montre pas. Écoute-moi. Yoka. Ce que tu vois aujourd'hui comme étant une opposition. Mais prends ça comme des opportunités. Alléluia. Yes. Prends ça comme étant un pont qui t'emmènera là où tu veux que tu sois. Je n'ai pas peur de Goliath. Écoute-moi. Yoka. Je parle à une personne. Toi, Goliath, qui te minimise à chaque fois. Yo, Goliath, dis-lui que ta taille. Ta taille n'est pas ta force. Quelqu'un me comprend? Ta taille n'est pas ta force. Ta force est en quoi? Celui qui est en toi, c'est le roi des rois. Le Seigneur. Le Dieu tout-puissant. C'est celui qui est en toi. Quatrièmement, tu dois plus te souvenir du succès passé que de l'échec. Alléluia. Yes. Commence à regarder plus des succès du passé. Et non des échecs. Regarde là où tu avais réussi. Mais ne regarde pas là où tu avais échoué. Là où tu avais échoué, prends ça comme des leçons. Mais ne prends pas ça comme étant ta vie. Tu n'es pas appelé à échouer à chaque fois. Mais tu es appelé à réussir toute ta vie. Échec, il y a 2012. Des échecs, il y a une belle expérience. Parce que je voyais le visage de certaines personnes. C'est déjà vu que j'avais joué, Oh, la joie quand tu es. La canne d'un maquis. Yes. La séca qui m'a aidé. Yes. C'est que si tu n'as mis à cas d'autre. Mais Dieu m'a dit de te dire une chose. Ça, même si tu fais le corps encore. Non. Ne pense plus à ça. Bon, quand il s'est rejouté. Regarde la réussite, la victoire de Jésus. Il a tout vaincu. Il a dit une chose. Que tout est accompli. Tout est accompli. Mon célibat est vaincu. Tout est accompli. Ma maladie est vaincue. Tout est accompli. Les démons de ma famille est vaincu. Tout est accompli. Ceux qui ne faisaient position sont tombés. Tout est accompli. Ma maladie n'est plus. Tout est accompli. Le célibat n'est plus. Tout est accompli. Il n'y a plus de pauvreté. Tout est accompli. Les démons sont soumis. Tout est accompli. Ce chef vous soumis est par terre. Tout est accompli. Et là, les démons sont tombés. Tout est accompli. Les limites sont tombées. Tout est accompli. Je reçois ce qui est à moi. Tout est accompli. Je n'ai plus peur. Je peux faire des déclarations maintenant. Je peux faire des déclarations. Je peux faire des déclarations. Amen. Après, je laisse à maman la place. C'est ma nature. Je me lève ce matin. Maintenant, mets ton mot là, non? Comme Israël. Donc voilà, Israël. Lorsque Jacob a voulu bénir ses fils, il n'a pas seulement mis en jeu sa paternité, soit sa paternité physique, mais celle qui est spirituelle aussi. Quelqu'un me comprend? Il n'a pas seulement montré son identité physique, mais celle qui est aussi spirituelle. Il a démontré son identité. Il a fait aussi appel à ça. Il a dit une chose en disant. Il a dit, mes fils, écoutez votre père Jacob. Après, il a ajouté en disant,
Écoutez la bénédiction de votre Père Israël. Si tu me connais toujours au nom de l'Empire, tu peux le mettre à côté. Monsieur, maintenant dans la peau de Matthieu. Monsieur, maintenant dans la peau de Matthieu. Matthieu qui veut dire au nom de Dieu. Je voudrais te bénir. Je voudrais te bénir. Amen. Le dimanche coulé, j'ai attaché dans ta vie l'onction de Benjamin. On a dit que Benjamin est un jeune loup. Benjamin est un combo. C'est un jeune loup. C'est un loup. Azali. Un loup qui déchire. Qui prend la proie et il partage le butin le soir. C'est pourquoi on a remarqué que la royauté n'était pas à lui. Mais vu qu'il avait l'onction d'arracher, il avait arraché la royauté. Et nous voyons que Saoul vient d'attribuer le Benjamin. Mais Saoul a aussi quand il est beau. Ce soir, ce matin, le matin de 15, en fait, il y a moi pour gagner ici. Tous ceux qui te poursuivaient, l'onction, le fils de Gad t'accompagne. L'onction, le fils de Gad va t'accompagner. Et par quoi? Aide-moi bien, garçon. Je répète, l'onction de fils de Gad va accompagner une personne. Et par quoi on peut lire ça? On peut lire ça? Et par quoi la Gad est dans les On peut lire ça? De quoi ça? La Bible dit dans Genèse 49, verset 19. La Bible dit, Gad sera assailli par ses bandes désarmées. Gad, par quoi on peut vous aider? C'est toi qui tombe. Oh, je me réveille en passant.
même. Ce que le Dieu des cas ne tombe pas. Il ne tombe pas. Je disais, il ne tombe pas. Je disais, il ne tombe pas. Je disais, il ne tombe pas. C'est pourquoi Charles est fait automatique. Mais Charles est fait ne tombe pas. Parce que j'ai remarqué que si ton Dieu est là, si ton Dieu est là. Elle est là cette option. Elle est là cette option. Et papa les a dit. Elle est là cette option. Et ça on est papa. L'option des cartes. Et papa les a dit. L'option des cartes. Et papa les a dit. Le rêve que tu as fait. Le rêve que tu avais fait. Le rêve que tu avais fait. Tu montrais la mort. Tu montrais ça. Le rêve que tu as fait. Pour moi. L'option. Oui, t'as quoi? Le fils des cartes. La barre à cartes. T'as accompagné. Tu m'as écrasé. Tu m'as écrasé. Tu m'as écrasé. Tu m'as écrasé. Est-ce que vous avez pris ce moment? Tu m'as écrasé. Tu m'as écrasé. Tes pieds domineront. L'autre va même te pire, tu vas dominer. L'autre, ta présence sera, tu domineras. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu domineras. Ni comment était, comment est ta famille. Je n'ai pas besoin de le voir. Et ce que moi je te dis, le plus important, c'est que tu n'as pas cherché. Jésus. Je voudrais dire à une personne, l'enfant des cadres ne tombe pas. L'onction des cadres ne joue pas. Je dis que ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Non. Je l'attache, c'est là ta vie. Dans ta vie. Je vois les commerçants sérieux. Je vais prier pour les commerçants. Est-ce que je peux prier pour les commerçants? Ou ces gens du coup que ces gens vont faire dans l'extérieur? Est-ce que je peux prier seulement pour les commerçants? Oh, j'ai l'impression quand je commence à vendre. On vient voler ce qui est à moi. Non. Il y a d'abord l'onction de Benjamin. Et aussi l'onction de Gad. Benjamin. Pour que l'un d'entre eux soit. Et Gad. Celui qui osera tomber. Je peux pas lui l'onction s'il te plaît. C'est là qu'ils ne sont pas venus aujourd'hui, ma vraiment. Yes. Parce que tu vas recevoir, toi qui es venu en ces lieux, tu vas recevoir l'onction du fils et l'onction de la mère. Oh, bonsoir, et pas quoi, il y a moi ma mère. Mais fais-moi s'il te plaît, lui, viens. Fais-moi lui, s'il te plaît. Ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec Dieu, il nous fait une promesse. Il nous dit quoi? Il nous prévient. On vous fera la guerre. On va vous combattre. Dieu n'enlève pas dans ta vie le combat. Je prie pour tous ces mecs qui sont concernés. Avant que je rentre, je prie pour tous ceux-là. Je prie pour tous ceux-là. Oh Jesus. Seigneur,
Tu vas bénir aujourd'hui les peuples de Dieu. Tu vas délivrer aujourd'hui les peuples de Dieu. Père Céleste, dans la vie de la vie de ton corps va le retrait. Quand on la crête, la vie la caille, on le va te faire la vie. Et tu sais une chose, nous devons faire la vie de la vie la carte, il faut aller à la envie, il faut aller à la bonne santé. Thank you.
Thank you.
Dans champagne, tout ce qui ah! Dans